Salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode et cette nouvelle vidéo sur Anthem. On va continuer l'histoire. Alors déjà, il y a la loot update dont j'avais parlé qui a fait beaucoup de vues, je suis très content. Parce que je suis pas habitué à ce genre d'exercice de faire des espèces de d'informations parlées comme ça. Qui est en fonctionnement, donc c'est-à-dire que là le stuff, enfin tout ce que j'ai parlé dans la vidéo fonctionne. Le stuff, le loot est bien plus intéressant quand il tombe. Et en plus, il va tomber plus souvent une fois que vous serez au niveau 30 en termes de qualité intéressante. On va continuer jusque-là. Salut. Pour remonter en haut de, bonne humeur. L'histoire et la terminer peut-être. C'est les pas quand. Les gens parlent de nous. De moi et toi. Et puis de Faye, Alouk. Attends, t'aurais pas un peu bu? Non, je ne bois pas. Je savoure juste ce sentiment nouveau de... Célébrité? De changement. Et même d'espoir. Nice. Mais j'avoue, ça me plaît bien d'être connu. Je me sens enfin chez moi à Tarsis. Ah bah c'est fantastique ça. Ça me fait plaisir de te voir heureux. J'ai fini par apprécier les gens d'ici. Ils m'aiment bien et je les aime bien aussi. Ça veut dire que t'es prêt à t'installer pour de bon? Bah tu sais quoi? Peut-être, après notre mission. On dit qu'entendre l'hymne, ça vous change un homme. Alors, si jamais je l'entends, ce que j'espère de tout mon cœur... Qui sait ce que l'avenir me réserve? Alors que Alouk... Est-ce qu'elle a changé? Je ne peux pas répondre à sa place. Demande-lui toi-même, je peux pas parler à sa place. Boum! Je ne crois pas que Faye m'apprécie suffisamment pour se confier. Disons qu'elle a l'air bien déterminée à la réentendre. Ouais. Une sorte de désir désespéré. Ouais, c'est ce qu'il disait, Alouk. De Faye? Ouais, on va dire ça. Owen, t'étais là quand on a trouvé la tombe. Et tu seras là quand on battra l'observateur. On forme une équipe, d'accord? On forme vraiment une équipe? Tu le penses? Sincère, et on est des amis. Oui, je le pense. Et on est ensemble depuis longtemps. On se complète bien. J'aime pas être mis sur la touche, c'est tout. Je peux comprendre. Tout le monde ici te dira à quel point je suis génial. Courageux, intelligent, spirituel. Drôle, sexy. Ça va s'arranger, t'inquiète. Profite de l'instant présent et patiente encore un peu. Compris. Patience, c'est mon deuxième prénom. Ah, je ne cherche pas à te remplacer. J'aurais pas sollicité Faye et Alouk si on n'avait pas eu besoin d'eux. Circonstance oblige. Exactement. Et il faut les attraper au vol parce qu'elles risquent de ne jamais se représenter. Non, je comprends, merci. C'est absolument crucial pour nous. On doit sauver notre peuple du Dominion. L'observateur, une telle puissance. Il y a de quoi être terrifié. C'est un crypteur impressionnant. Qui est aussi lancier, soit dit en passant. Celle-là, je l'attendais au tournant. Ah... Tu me connais si bien. Ah, il est énorme, il est énorme. Ah, j'adore, je déteste... Autant je déteste Alouk que j'apprécie Owen et ça me fait chier pour Faye. Cet observateur, c'est quand même flippant ce qu'il peut faire. Et il ne compte pas en rester là. La seule chose qui m'inquiète, c'est que lui, il a dit qu'à partir du moment où t'entends l'hymne, pour un crypteur, tu deviens complètement fou. Ah, de l'affronter, je veux dire. On va le battre. C'est clair, net. On est dans un jeu vidéo où on gagne à la fin. J'aurais pas accepté ce travail sinon. J'espère. On va le battre. Garde ton assurance. Sinon ton javelin se bloque. Le lien mental avec ta combinaison est essentiel. Y a moyen de donner le change? Y a un lien mental avec la combi? On peut donner le change pour plein de trucs. Ça je savais pas. Clages. Genre quand on se réveille 4 fois par nuit pour pisser dans l'arpenteur. Non, Faye, c'est pas moi qui ai laissé la lunette relever. Mais pour ce qui est d'être freelancer, là c'est tout ou rien. D'accord. Quand c'est rien, tu sais que la vie te réserve un bon coup de pied au cul. Elle m'a conduit jusqu'à toi. L'enculé. C'est pour ça que t'es là. C'est toi mon coup de pied au cul. La vie a fait d'une pierre deux coups. En nous fourrant ensemble, elle nous entube tous les deux. Ravi de constater qu'on s'entend si bien, toi et moi. Faye est contente au moins. Ma compagnie commençait à lui peser. Allez, à plus. Bon, ça s'arrange. Ça s'arrange. Ok, oui, parce que tout le monde marche en passage, en pas chassé, pardon, quand vous quittez une conversation. C'est tout à fait normal comme façon de faire. Je te dérange? Arden Vassa écrit que la Légion de l'Aube a déchaîné la voix des cieux. C'est sûrement de l'hymne qu'il parlait. J'imagine que ça veut dire oui. Non, pas du tout, au contraire. C'est le gros avantage quand on est crypteur. On peut gamberger sur des milliers de sujets à la fois, avec une vitesse de traitement inaccessible au commun des mortels. Et une distraction! Non, c'est pas sympa, il n'y a pas à s'inquiéter. Bah, il n'y a qu'à s'inquiéter, il n'y a pas à s'inquiéter. Et qui sont encore là pour en parler. J'ignore ce qui te chagrine, mais ça ne peut pas être pire que ça. Dis pas ça.
Tu provoques le destin à nous faire sombrer dans la folie. Je pense pas que le destin nous écoute. Espérons-le, en tout cas. Je te savais pas superstitieuse. Dès qu'il s'agit de l'hymne de la création, la frontière est floue entre science et superstition. Intriguant, intriguant. C'est l'hymne qui l'inquiète plus que le crypteur, l'observateur. Bon, si l'observateur parvient à en prendre le contrôle, il pourrait changer le monde. C'est-à-dire ? Imagine que tu t'éveilles demain matin dans la peau d'un lancier du Dominion, que tu as toujours été. L'observateur a ce pouvoir ? L'hymne a ce pouvoir. Ça devient dérangeant, cette conversation. Remettons-la plus tard. Alors, nous, en tant que... Des fois, quand on pense à des trucs, vous savez, ça rebondit très très vite dans la tête et on commence à aller de pire en pire. Ah, non, je croyais que c'était plus rempli que d'habitude. Et alors imaginez quand on va encore plus vite comme ça, à réfléchir à des conneries comme ça, de plus en plus rapidement, que ça enfle dans ta tête et que ça prend de plus en plus de place, que t'arrives plus à t'arrêter d'y penser, etc. Jusqu'à ce que tu... Blah. Ça va quand même être ultra chaud. Je les plains un peu. Hein. Parce qu'apparemment, pour devenir crypteur, ils perdent une part de leur humanité ou un truc comme ça. Une part d'eux-mêmes. C'est glauque. Ultra glauque. Je sais pas si tu veux me parler, et honnêtement. Je m'en badigeonne les couilles avec le pinceau de l'indifférence. Bonjour, Brin. Toujours aussi adorable. Brin. Hansen. Je demande à voir. Même désarmée, elle est plus forte qu'un javelin. C'est sans espoir. Il le faut. Je dois te protéger. Je dois te protéger. Bonne réplique, ça. Fête. Brin. Ah, bon, elle a bugué. Encore plus de plantes. Ouais, merci de l'avoir remarqué. J'avais pas fait gaffe. Je l'ai gardée à la caserne, mais on m'a dit qu'elle prenait la place de l'équipement. Elles sont si colorées. C'est vrai que ça fait du bien des couleurs. Y a pas de mal à essayer d'égayer le QG des sentinelles. J'ai tenté l'argument de la motivation, mais ça a pas marché. Tout cet entretien, c'est du boulot, non? J'espère qu'à un moment, on pourra rebalancer des phrases de sa série. Les vols pour impressionner à leur rendez-vous. On te vole, toi? Tout le temps. Au moins, tu dois impressionner tes rancards avec ce genre d'anecdote. Bah, non, je sors avec personne. C'est pas mon truc. Mais c'est quoi tout ce flirt alors qu'il y en a pas? Merci de m'avoir parlé de ta passion pour le jardinage, Brin. Ça fait plaisir de voir quelqu'un me poser des questions là-dessus. Enfin, toi, tu poses des questions sur tout. Mais ça fait plaisir quand même. Pardon, excuse-moi. Excuse-moi de m'intéresser à tout et tout le monde. Hein, si ça te fait chier, tu le dis, hein, mais au moins t'es souriante. Plus de plantes qu'avant. Ah oui, c'est vrai que ça commence à prendre de la place devant et tout. Ok. Bah. Et qui? Oh, nice. Annonce, pénurie de graines. Oh merde, pas de grains. Mais non, normalement, ils ont fait... Oh ! Eh ! Me dis pas que c'est déjà mis en merde, enfin, en berne, la boulangerie. Ah ! Il y a des gens qui sont en train de réparer la fontaine. Par contre, l'eau stagnante est toujours présente, hein, je précise. Ah, c'est dégueulasse. Parce que j'ai pas pensé à ça, mais la première fois, quand il m'a dit qu'on devait améliorer des trucs et tout, ça se trouve, ça a amélioré la gueule du fort, et je l'ai pas fait. Parce que je sais pas s'il a amélioré la tronche des câbles. Ouais, d'accord, ok. C'est ça qu'il a rajouté, toute ma gueule. Je pense que nous avons les meilleurs alliages. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il y avait quelqu'un là-bas qui voulait me parler, freelancer Jani. D'accord. Quoi? Jani! Par là? Elle est là? C'est elle? Ouais, ok, cool. Merci de me l'indiquer sur la... Mais qui voilà? Salut, Jani. On dirait que la chance te sourit en ce moment. Ouais. Incroyable. J'ai entendu dire que le bard écrivait déjà des histoires à ton sujet. Il était un héros nommé Ragnar le Rouge. Y'a pas que moi. Si Owen. Le mérite revient pas qu'à moi. Un freelancer est meilleur en équipe. Et j'ai Faye et Alouk. Putain ouais. Ah, ouais. Le fort tout entier semble reprendre vie. Tu peux être fier de toi. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe au fort? Il est super animé. Il revit. Tout ça... C'est grâce à toi. Oh. De la bonne nourriture et des trucs étranges à vendre. Tout est plus lumineux et ça pue moins. C'est grâce à toi. Pour l'odeur, j'y suis pour rien. Peut-être pas. J'avoue, pour l'odeur, c'est Mathias. Mais tu repousses les scars et tu aides les arcanistes. Du coup, les sentinelles râlent beaucoup moins. Les freelancers se rassemblent à nouveau ici. Ils viennent des enclaves de tout bastion. C'est gentil. J'espère que c'est vrai. Et même si ça l'est pas, ça fait plaisir à entendre. J'essayais pas d'être gentille. J'essayais d'être génial. Alors t'as réussi.
Merci, camarade. Dis-moi, tu connais Freelancer Yarrow, pas vrai? Ouais. Enfin, non. On se parle plus vraiment depuis un moment. Ah, ils étaient en couple et ça a pas réussi. Bref, tu devrais retourner à tes aventures. C'était sympa de discuter avec toi, Jenny. Merci de m'avoir parlé de tout ce qui va mieux. Pas de problème. C'est marrant comme il suffit parfois d'une seule personne pour changer le monde. Ouais, mais ça, ça marche que dans les jeux vidéo, ma pauvre. Je serais pas étonné que Yarrow nous demande. Non, on va dire. Bon, bah, comme quoi, je me trompe. Tant, je voyais bien le relais se faire. Alors oui, je voulais aller voir le pain, pardon, excusez-moi. Parce que je... Non, c'est bon, en termes de grains, on est bon. C'est parfait, tout ça, regarde ça. Ah, j'ai toujours l'intercepteur qui était posé pour quand j'ai tourné la vidéo, justement, sur la loot update. Et je suis désolé pour le son des deux vidéos précédentes. Hein. C'était pas prévu. C'était absolument pas prévu. Et du coup, on voit le fond. D'accord. Nice. Tibania. Je sais pas si j'ai d'autres missions d'ailleurs au passage. Ah ouais, j'ai un contrat ici, tiens. On va aller se faire le contrat d'abord. On va aller à la forme, on va reprendre le... On va reprendre le comment le... Le colosse. Alors si je prends principalement le colosse, c'est parce que j'ai peur quand je... Vous voyez, je suis à 136 de commande de puissance. Ici, je suis à 171. Et donc en augmentant dans cette puissance, dans ce truc, je pense que ça va aller plus vite en termes d'XP. C'est dans ma tête, hein, peut-être. Hein. Mais j'imagine que c'est comme ça que ça marche. C'est ça que je veux absolument optimiser, si je puis dire. Ne vous inquiétez pas, vous aurez du contenu sur tous les javelins une fois le endgame arrivé, parce que j'aurai une bonne base, entre guillemets, il faudra que j'améliore tout ça pour avoir toutes les prouesses, tous les défis, tous les trucs. Mission suivie, c'est parti. Une cible idéale. En normal, toujours. On reste en normal, en tout cas, pour le moment. On verra ensuite, une fois arrivé au endgame, avec l'équipement, etc., etc. Du coup, nous montrons en tant que freelancer. Ça a été assez rapide, on n'a même pas vu toute l'animation. Ok, on y est. Rejoindre le camp de recherche. On est tous les arcanistes par les fragments des cadavres. Mais on peut partir du principe que Dix va tenter de s'en servir. Pas étonnant. La vente de fragments est un marché très lucratif. Les Scars, d'autres bandes de proscrits, même le Dominion pourrait vouloir les acheter. Pas si on les empêche. Tiens, j'ai pu voir un... Il y a des gens qui réclament sur le Reddit. À ce que les développeurs fassent en sorte que, vous voyez, quand on le tombe comme ça, le refroidissement soit déjà en courant. Bon, je suis pas particulièrement de cet avis. Les nôtres ont rencontré de nombreux proscrits sur le camp. Aucun signe des arcanistes, c'est pas mon signe. Ok, on va aller bourrer un peu, parce que t'es... Pardon, excusez-moi, dégagez de mon chemin. Hop. Nice. Oh, oh c'est beau. Oh c'était beau. Pardon, hein, j'ai adoré faire ça. Je crois pas beau à voir. On a toujours une longueur de retard sur les poseries. Faut ça choix. J'ai l'impression d'avoir des lags que je n'avais pas avant. Non, attends, je m'en occupe. Oui. Non! Je sais pas si j'ai touché qui que ce soit, mais. Oh, mais je suis pas tout seul! T'es moche. Je peux me permettre d'être. Il y a un peu de temps. Eh oh, y a quelqu'un? Beaucoup de vestiges des démiurges ici. Je peux pas. Oh, putain, comment j'ai fait ça avec mes jambes? Fouille le camp, on peut peut-être découvrir ce qui s'est passé. Le mien est beaucoup plus beau. Très bien, je fouille. Oh là là, c'est tout mort là-dedans. Que... Comment c'est possible? J'ai quelques pages d'un journal ici. C'est déjà quelque chose. Continue à chercher. Ah. Oui, je cherche. Je cherche. Ah, ouais. Ah, ça, c'est un bon Marcus. Où est-ce que c'est? Une valise avec des pots. Prends des pages de journal. Des dessins, des notes, ce genre de choses. Ah oui. Mais rien qui nous dit ce qui s'est passé. Attends. Signal de détresse qui n'a pas été envoyé. On l'écoute.
On les fermera une fois à l'intérieur. C'est tout ce qu'on peut faire. Non, non, laisse ça. Prends les résonateurs, vite. Je croyais que c'est un tunnel. Ils sont allés vers les tunnels des démiurges. J'y vais. Ils ont imaginé un sacré plan d'évasion. Pas le choix. Avec les conscrits, nice. Leur destin est d'être capturé, vendu. Ou pire, espérons qu'ils parviendront à refaire de ces portes des murs. Vous croyez que c'est ça les forteresses? Non, je sais pas. On n'est pas encore faites, hein. Faut savoir que là je travaille à côté de ça sur l'écriture d'une vidéo, parce que oui, il faut que je les écrive, les fameuses vidéos comme le vlog là que j'ai fait sur la... Enfin, le vlog. La vidéo loot update. Je les écris parce que sinon j'arrive pas à organiser mes pensées. Et j'écris une vidéo sur Pokémon à l'heure actuelle. Sur, j'ai regardé beaucoup de vidéos en fait d'autres streamers sur ce qu'ils en ont pensé. Il y en a beaucoup qui sont déçus, alors que moi c'est tout l'opposé. Au contraire, je suis très heureux de voir si peu de nouveautés dans, dans ce premier trailer. On reviendra dessus dans la vidéo, mais du coup je vais en écrire tout ça. Et ça m'a prolongé, j'ai déjà 3-4 pages d'écriture et je me demande combien de temps ça va durer. J'espère que ça va pas durer plus de 15 minutes. Ok, je suis. Peut-être alors que j'arrange tout ça. Mais attention maintenant, on sait pas quelle surprise. Nouvel exercice pour moi, hein. J'ai pas l'habitude de ce genre de choses. Salut! Oh mais vous voulez, vous faites pas ce qu'il faut, c'est nul. Déjà dedans, oh j'ai déjà fait. C'est pas possible pourtant, c'est fermé. Non je sais pas. J'en ai déjà fait une alors qu'il ressemble énormément. Alors c'est le point noir que j'avais donné à Warframe quand j'avais joué la première fois. La ressemblance de tous les niveaux. Incoming! J'ai jamais vu autant de proscrits. Qu'est-ce qui se passe? Diggs a dû gagner en popularité. Et ça fait grossir ses rangs. Ah, pardon! L'arrêter, je sais. Ça va être très très chiant ça. Utilise les piliers. Reste en route. Je dois avoir OBS d'ouvert en fond. À chaque fois. Aïe! Ferme ça avant le prochain. Et maintenant. Et maintenant. Que vais-je faire? Bon, je crois qu'on les a tous suivis pour l'instant. Tout ce temps. Allez, en avant. On va trouver ces arcanistes. Que sera ma vie? Qu'est-ce que les c'est échos, que ça? On sait comment faire. Voilà. De ces nuits. Allez, quoi, il nous en faut quelques autres. Vite. On en prend un chacun, c'est bon. Proscrits ont été piégés quand les arcanistes ont scellé l'endroit. C'est une bonne et une mauvaise chose à la fois. Mais lol! Avec quelqu'un qui en a deux. Allez, Pietre! Il s'appelle Peter, c'est Pietro dans ce temps. Merci! C'est quoi tout ça? On dirait des mines? Les arcanistes ont trouvé un moyen de ralentir les proscrits. Très bien vu. Je l'ai eu. Je pourrais te tuer aussi. Ouais. On y est. Sésame. Cette porte. J'espère qu'ils ont de l'avance sur les proscrits. Les arcanistes ont gagné du temps en scellant cet endroit. Ouais. Bon, mettons ça au clair. Sésame. Oh. Le démiurge a réglé. Allons-y. Je m'en occupe. C'est un code, hein. C'est un code, il va me falloir le violet d'un côté et le jaune de l'autre. Je crois que ça c'est le jaune. Ça c'est vert. Ça c'est violet. J'espère qu'ils ont pu fermer la porte à temps.
Ils les ont pas rencontrés de nouveaux problèmes à l'intérieur. Ah, je me sens seul à chercher, hein. Non, en fait, c'était bon. Ok, ça c'est jaune, c'est bon. Voilà. Regarde ce que les sécurités sont bien là. Ah putain. Je me sens vraiment seul dans l'équipe, hein. Ok, très bien. Salut les mecs. Attends, non. T'es un freelancer. Je suis tellement soulagé de te voir. Je suis Elsine, un arcaniste. Ravi de te rencontrer, Elsine. Je sais pas où est-ce que tu es. Nous ne savons pas comment te remercier. Je dois t'avouer, on n'a pas pu récupérer tous les fragments des démiurges. Ils en ont pris certains. On s'en occupera plus tard. Hey, ce qui compte, c'est que vous soyez en vie. On n'est pas seul. On attaque. Tiens bon, d'autres pensent qu'ils sont en approche. Compris. Elsine, il est dit non là-bas. En ouvrant les portes, on va faire entrer tous nos ennemis. D'accord. On bouge pas. Voilà. Je crois qu'ils allaient être là, moi ils commençaient à tirer et tout. Oh nice. Putain, il y en a un paquet dans cette mission. C'est chez nous ici. Ici c'est ma maison. Ah bah oui, c'est pas les couilles. Là tu vas bouffer pour tous les autres, désolé. Voilà. Bon, c'est la dernière fois que j'ai utilisé cette arme. Autant en profiter un petit peu. C'est l'arme de la préco. Elle est un petit peu en dessous en termes de puissance. Ah, moi je suis mauvais. Qu'ils arrêtent de me tirer dessus. Arrête d'être une cible. Arrête d'être une victime. Lui s'est fait rect de manière incroyable. C'est con, hein. Mais non, je vais pas avoir le temps de le voir. T'es nul. Ouh, c'est moi de you. J'ai envoyé l'aide en allant chercher les arcanistes. Parce que c'est moi qui ai encore une fois le plus beau javelin. Mais bon, quand j'aurai le l'or de Maison du Café, on discutera la suite des opérations. Ce sera encore plus beau. Il est beau le sien. Cela dit, il est beau le sien. Bravo, il est très très beau. Dis donc, on est ouais, applaudis-nous parce qu'on est magnifique. Bye bye. Oh. J'avais voulu garder pour mon intercepteur les couleurs à peu près originales et je suis très content de ce que j'ai fait en termes de d'intercepteur. Maintenant, on va avoir le Ranger à débloquer au niveau 28 ou 26, je ne sais plus, on n'y est pas encore. Mais c'est vrai que j'ai pas trop eu le temps d'y jouer du coup, entre les différents uploads en plus, etc. Par contre, je suis le seul à être un tout petit peu original, quoi, merde. Les mecs, sortez-vous les doigts du... Gold soldat et un artilleur. On va pas avoir fait un beau score. Verdict. Ah non, je peux pas voir. J'ai passé. Merde. Niveau 18, nice. 4002, ouais, voilà, on est pas beau. On est pas beau, on est 3ème au kilomètre. On va pouvoir mettre ça par contre, ça c'est cool. Munition de canon automatique en plus en 15, c'est parfait. Nice. Ça passe très très bien. Direction la forge. Hop. On aurait bien le mortier par feu. Ici, du coup, je vais passer sur autre chose. Peut-être canon de siège. Bien. Ici, à la place du 18 que nous avons, on va mettre soit un fusil d'assaut, soit un fusil mitrailleur. Je penserais plutôt pour un. Fusil mitrailleur. C'est mieux en termes de qualité. On a quelque chose de bien. Ok, mais. Au niveau 18. On va passer sur ça. Ça va nous changer. La puissance de bouclier, j'ai toujours pas trouvé mieux. Je pourrais hein, faire crafter mieux, hein, mais bon.
pas pour l'instant si ça vaut le coup de le crafter, pardon. C'est là que ça devient marrant. C'est le moment. Et ici, de faire passer un message. On va caler ça. Avant de... Ou alors je cale ça. C'est un peu mieux comme ça. Disons qu'on est mieux comme ça, on est à 204 de puissance, c'est très très bien. On s'approche du niveau bleu, en termes d'équipement. D'ailleurs, ce qu'on peut peut-être faire, allez, allez hop, soyons fous. Je prends celui-là, je vais prendre le shield plutôt, ça semble plus intéressant. Pas beaucoup de braises rares, mais bon, on s'en bat les couilles. C'est pour le fun. Petite réparation, d'accord. Ah, l'autre me rapporte overall plus 8%. Hein. C'est quand même pété de dégâts. Hein. Ok, 210, parfait. Très bien. Et je pense qu'on va enchaîner instantanément. On va voir s'il y a du dialogue. On va juste regarder s'il y a du dialogue. Sinon, on enchaîne instantanément avec la suite de la quête principale, qui était la seule mission qui nous restait derrière ce contrat. Mais je pense que Yaro Kono Yaro va nous demander... Et voilà. Alfei, Luke. Beaucoup de monde qui veulent nous parler. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'est pas mon joueur de m'en battre les couilles, hein, mais... Enfin, ça dépend. Mais j'aime bien aller compléter le jeu à 100%. Par exemple, là, je suis en train de faire One Piece Pirate Warriors sur la Switch. Et... je veux pas trop avancer dans l'histoire, parce qu'en fait, moi, j'ai jamais pu apprécier l'histoire de One Piece à cause de ses... de ses graphismes, de sa capacité, de sa qualité de dessin que j'aimais pas en termes d'animé. Jamais en termes de manga, j'ai jamais lu, hein, parce que comme l'animé m'intéressait pas. Et là, je rentre enfin dans l'histoire, et là, je m'amuse. L'histoire est tellement bien, c'est vrai, hein, c'est vrai. On m'avait souvent dit que l'histoire était bien. Les dessins. Le principe d'avoir des seins qui ne sont pas soumis à la gravité déjà, et qui sont à peu près 10 fois, voire 15 fois plus gros que la taille de tes hanches ou ton tour de taille. Je trouve ça chelou. J'aime pas ça visuellement, je trouve ça débile. C'est juste faire pour faire, vous savez, c'est comme certaines de mes thumbnails, de mes miniatures avec des réponses à poil alors qu'elles n'y est pas, mais c'était par rapport à la... voilà ce que je veux dire quoi. Là, il y avait du travail encore. Mais je sais pas pourquoi ils ont tous des gros seins, je trouve ça débile. Mais bon, et au-delà de ça, je m'amuse dans le jeu et je m'amuse, et donc du coup, je veux pas trop avancer en victoire, je veux faire le 100% d'abord. C'est parti. Lucky. Ouais, putain, j'en ai un. Ah non, c'est un intercepteur. Dirige-toi vers la forteresse de l'Aube. Avec le signe du général, je devrais pouvoir te faire passer pour un lancier de la Légion de l'Aube. Nice. Comment ça, me faire passer? Je suis au moins aussi bon qu'eux, non? Non? Non. Wow, la voilà. La forteresse de l'Aube. C'est vrai que quand tu vois ça, c'est magnifique. Moi j'ai déjà fait quelques tours dans le coin, hein. Il y a beaucoup d'ennemis dans la zone qui étaient là, que ce soit en bas en train de popper là, ou Des équipiers sont tombés sur un inhibiteur de vol. Attends-toi à des hordes de soldats du demi-monde de la forteresse. Ah bah moi j'ai pas trop d'inhibiteurs de vol. Ils ont monté des tourelles, on doit les éliminer. J'ai pas d'avoir raté ça, j'ai l'impression d'avoir déjà. Oh, une tourelle de moins gérée. Ah, de là. Très bien. Ok, on a ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai plus les mêmes choses. Faut que j'y pense. J'ai rien de larguer quoi? Le mortier. D'accord, ok. Mortier explosif. Oh, ça va me faire tout drôle. Ils ont pas pu transporter tout ça en passant par le mont. Ils doivent utiliser des portails. Alors on ferait bien de les activer. Ah oui, j'avais oublié ces sons. Il y a de notre signature énergétique dans la cour. Dirige-toi vers les portes de la forteresse. Par où? Jax, par où? Permettre un peu vide. Wouh, un coffre. Débile. Bah voilà, vous êtes passé à côté, bande de nazes. Et en plus, il y a du bleu qui entend. Si c'est pas la fête du slip. Loki, t'es un vrai. Je t'aime. Dommage que t'aies le costume de Barry Allen. La porte est connectée à ses points d'ancrage. Détruis-les et nous pourrons désactiver cette chose. C'est ça. Éliminez-les.
aider tous pour qu'on puisse couper les renforts Passe. Du Dominion. Ouh. Ah, j'ai fait des dégâts à quelque chose. Beaucoup de dégâts. Tout petit. Un instant. Tiens. Ouf. C'est puissant ce truc. Comparé à ça, c'est clair que... Je suis un de tes potes, hein. Waouh, c'est pété, ça fait des dégâts de zone. Et boum. Ouh, du bleu qui tombe sur un mob lambda. C'est nice. On va presque dans Diablo. Aïe, aïe. Bravo. Un air d'un peu comme ça crame. Félicitations, la part d'Amouk. Trouve le mécanisme de verrouillage. Si je me trompe pas, le signé du général devrait ouvrir la porte des nucléaires. C'est parti. Je vais arriver en premier. Hop là, c'est moi qui ai ouvert. Assassin Kill 007, just for that. D'accord. Ouh, c'est bio. Bienvenue dans la forteresse de l'homme. J'en reviens pas qu'on voit ça. Tu es le premier à arpenter ce lieu depuis des siècles. Regarde autour de toi. Je veux pouvoir tout admirer. Tu m'étonnes. Ça, c'est moi. Tu pourrais regarder ça de plus près? C'est quoi? Oui, avec plaisir. Je jurerais avoir déjà vu ce symbole. Voici les portes de la puissance. Oh! Vous qui souhaitez Alfred les ouvrir, placez votre signet. L'épreuve de puissance distinguera les faibles des dignes. Ainsi parle Arden Vassa. Arden Vassa. C'est vraiment sa voix? Là, on dirait que tu peux y brancher le signet, non? Y'a qu'une façon de le savoir. Ok. Il a tout fait bugger. J'arrive pas à comprendre ce qui se passe. On a cassé quelque chose. On est passé ailleurs. Vous pensez digne de siéger parmi les chevaliers de la Légion de l'Aube? Sachez ceci. Un vrai légionnaire doit être mis à l'épreuve. Alors ça, je m'y attendais vraiment pas. La plus grande de nous tous a attiré l'ennemi sur le champ de bataille de son choix. C'est là, c'est intéressant. Par la force et la ruse, qu'elle a fait s'abattre sur lui, ruine et destruction. Faites c'est vos extrêmement preuves. Intéressant. Marchez parce qu'en fait, pendant tout le début du jeu, ils nous ont montré qu'une chose. Adversaire. Puissiez-vous triompher contre les ténèbres. Faye, c'est quoi ça? Faye? Ok, ça l'a pas arrêté. C'était que l'hymne faisait popper des ennemis. C'est que des cendres. Hein. Mes dégâts de flammes vont pas faire de dégâts. Attention! C'est pour ma gueule, ça, ouais? Reviens, reviens, reviens. Oh là 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 là, qu'est-ce que tu fais, bonhomme? Les Urgotes ont semé la mort et le chaos sur d'innombrables générations. Ils ont été le plus puissant ennemi de l'humanité. Tarsis a voué sa vie à libérer. Oh, il a pas aimé ce coup-là. Ok, cette arme-là, elle va faire les dégâts qu'il faut. Je recharge. J'ai essayé de faire un combo, je sais pas si ça a été efficace. J'ai pas accès à mon ult. Je viens de me rendre compte que maintenant. D'accord, c'est pas moi qui visais, j'aurais pu tirer.
les Urgotes étaient 100 fois plus nombreux que les légionnaires. Et alors ? Pourtant, nous n'avions pas peur. Mais si on gagne, que notre général avait un pouvoir secret. Et qu'elle saurait attendre le bon moment pour le déchaîner. Pouf ! Allez ! Ah, j'ai oublié que j'avais un bouton. Les Urgotes nous sont tombés dessus comme la misère sur le pauvre monde. Puis Tarsis a lâché sur eux la voix des cieux. Les montagnes se sont pliées à sa volonté. En un éclair, hop, c'est eu, mon l'ennemi de l'humanité a été écrasé. Il m'aura pas. Ah, je l'ai raté. Ouais, je l'ai vu que j'allais rater, mais je l'ai tenté quand même. Hop, raté. Non, je l'avais pas vu celle-là. Contre-foudre. Frappe autant que tu veux. Ah, tu l'as senti passer celui-là, hein. Oula, il a fait plusieurs choses en même temps. Oula, ce groupe. Je vais prendre cher. Ah, d'accord. Il a pété, il a complètement explosé. Bien. Vous avez réussi. Votre puissance fait trembler les plus grands des adversaires. Je sais, mais merci. Mais d'autres épreuves vous attendent, lancier. Putain, j'ai des yeux, c'est plus des yeux. Puisse votre route vous guider vers l'aube. Eh ben, ça valait le coup de la faire, cette mission. Hein. Heureusement que je l'ai pas fait hier avec mon boxon. Hein. Nom de Dieu. Oh, c'était bon. Et donc oui, le jeu nous a montré que jusque-là qu'un hymne qui faisait que de la merde, et en fait voilà la puissance de l'hymne. Sans bouger d'ici, bizarrement. C'est un mécanisme de portail. C'est pour ça qu'on a été coupé. En tout cas, j'ai dû utiliser de vraies munitions. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc comme il nous a amené que... Ah, il y a plusieurs niveaux en plus. Très bien. Comme il nous a amené que des ennemis et des vagues et des vagues d'ennemis et rien de plus véritablement visuellement ou n'importe quoi, ben le fait qu'il fasse ça, ça te prend sur le vif parce que ça tu pensais pas que le ça allait sortir ce genre de choses. S'arrête ici pour vous. Ce qui est arrivé à notre général nous arrive à tous. Une mort inéluctable vous attend. Affrontez-la. Une seconde. Le chemin s'arrête ici. Est-ce que c'est ici que le général Tarsis est mort? Derrière nous. C'est devant moi, c'est dommage. Nice. On sort plutôt bien. Bon, jusque là, c'est pas la difficulté à laquelle je m'attendais, on va dire. Pour atteindre les portes d'une Antiope quasiment perdue avant l'ennemi, Tarsis n'a eu besoin que d'une poignée de chevaliers. Ils avaient l'agilité, mais la force de l'ennemi était incommensurable. Pourtant, Tarsis a tenu bon. Boom, bitches! Putain de lancier, moi! J'avance! Pas où ils sont, mais. Pas où il faut aller. Putain, faut aller. D'accord, en fait, non. En fait, on va reculer. Petit à petit. Très bien. Je vais être tout seul à faire la mission. Ah la vache, mon truc a pas. Parce que j'avais visé un peu plus haut. Alors que je change d'arme, parce que sinon je vais plus avoir de munitions. Sinon j'ai bien un coup de main. Hein. Enfin sur l'objectif de mission, quoi. Ouais, c'est en train de se faire le truc, mais heureusement que je suis là. Quoi. C'est fou ça qu'on ait des gens qui ne comprennent pas ce que c'est qu'un objectif. J'avais remarqué dans Overwatch que les gens, les objectifs, ils s'en battaient les couilles. Mais alors là, à ce point-là, c'est assez incroyable quand même.
Il n'y en a pas un qui va venir. Ça ne tue pas. Dans les trois défilés, les légionnaires se sont opposés à la puissante horde Urgot. S'ils tombaient, si leurs minces lignes rompaient, Antium serait perdu. Et d'innombrables autres cités avec elle. Donc ils ont réavancé peut-être ? Ah non, 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 on a reculé, 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 d'accord, ok. C'est vraiment le déroulement de la bataille comme eux ils l'ont vécu. Il n'y en a pas un seul qui va venir me filer un coup de main. Bah oui, pourquoi ? Pourquoi me donner un coup de main ? Ça y est ! Il y en a un qui s'est rendu compte, là, il y a peut-être un objectif dans la quête, parce que ça fait quand même un peu long à faire ce qu'on fait là. Pas sûr que ce soit utile ce que je fais, mais au moins ça... Putain, ils sont solides. Je crois que je vais te laisser... T'es là, ça tombe bien, merci. Des fois j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs. Fuck it. Vous voulez pas venir faire le truc, vous empêcher de jouer votre partie. Moi. C'est ce que vous voulez vraiment. Ah, vous allez pas vous amuser, hein. Je vais tout tuer avant. C'est ce qui vous plaît. J'ai aucun problème avec ça. Darcis a rencontré le chef voilà. Des Urgot au combat. Et subit un coup mortel. Alors même qu'elle se savait perdue, elle n'a pas cessé de se battre. Moi j'ai pour aucun problème avec le fait de. Elle est parvenue à repousser l'ennemi. Vous empêcher de jouer aussi. Hein. Absolument aucun. Voilà. C'est vachement fun, hein, on progresse pas dans l'histoire. Salut. Ah, je savais que t'allais m'en coller une belle, toi. Moi aussi. Je crois que tu vas déphaser comme ça. Allez. Voilà. Et le légendaire soloté, voilà. Vous servez à rien. Et toi? Voilà, c'est cool hein. On n'avance pas. On n'avance pas parce que personne va faire la quête. C'est cool, c'est vraiment cool. Il n'y en a pas un des deux autres débiles qui s'en rend compte. Hein. Surtout que ça loot pas. Si encore ça lootait, je comprendrais. Et là, clairement, ça ne loot pas. Mais non. On soit bien d'accord, hein, c'est moi qui fais le plus de kills. Hein. Chaque fois que je touche avec mon bouclier, je fais un kill. Donc, ouais. Bon, il y a juste ça que j'ai du mal. Bon. Combo. Couché. Vous avez réussi. Vous avez tenu bon malgré voilà. La perspective d'une mort inévitable. Avancez, lancier. Une dernière épreuve vous attend. Puisse votre route vous guider vers l'aube.
Oui, c'est votre... Oh, c'est stylé quand même quand il parle. Bon, j'ai les yeux, c'est plus des yeux. Je suis d'accord, c'est... Te revoilà. On est plus proche des oculaires de commande de... d'escargot, hein. Vous savez ceux qui vont et qui rentrent. Bah là ils sont en train de rentrer les gars. Alors tu me bats contre mes propres souvenirs ? Ils me font flipper. Super. Ok. Voici les portes du courage. Il a plus de tête. Vous qui souhaitez les ouvrir, placez votre signet. L'épreuve du courage distinguera les vrais lanciers des faux. Ainsi parle Arden Vassa. Faye, je sais pas si je vais y arriver. Je suis à bout de force. Mais mon non est en pièces. Je suis presque fait aveugle, mais... mission et pas savoir ce qui m'attend encore. Hey, le quotidien des freelancers. Tu peux y arriver. J'espère. Pas des lunettes de soleil dans le coin. Si, je crois que j'ai des lunettes de soleil toutes moches dans le coin. Eh ben non. J'ai peut-être bourré trop le... moins que c'est sont dans la boîte, t'as vu. Très bien. Adieu, messieurs. Je vous aimais bien, vous m'étiez bien utile. Une seconde. Où est mon javelin? Vous avez atteint la dernière épreuve. Prouvez votre courage. Je Une suis à poil. Une grande calamité s'était abattue au cœur des terres et menaçait d'altérer la trame même du monde. Ah, et elle est entrée. Tarsis a donc décidé de la débusquer dans sa tanière. Là où elle était la plus puissante, et de mettre un terme à sa folie. Allez, lancier, débusquez le désastre, et arrêtez-le, si vous l'osez. Et comment je suis censé faire? J'ai même pas d'armes. Tu n'en as pas besoin. Oh, Tarsis! Tu t'empresses, neutralise-la, ça marche pas, tu vas te faire bouffer! Active-toi un peu! C'est bon. Qu'est-ce que... Wow. Je crois que tu connais déjà bien la voie du courage. Waouh! Montre-toi! Pas à bouger, là. Ta combinaison est en surchauffe. Je vais mourir! Reste calme ou tu vas tout bloquer. Impossible de tirer, c'est pas bon! Ah, c'est le moment où je l'ai sauvé. Ta valeur. Putain, elle a l'air d'être stylée. Encore. Son javelin a l'air magnifique. Mais est-ce que ça veut dire qu'on aura des. Revenez à la comment dire? Cette mission. Des colosses sans. Regarde sans pare-chocs à l'avant? Il faut qu'on neutralise le cénotaphe. Il faut qu'on sorte de là. Pense à Miller, à Adair, à tous les autres. Joue pas les lâches. Je suis pas un lâche. Te faire passer d'autres épreuves serait inutile. Il ne te reste qu'un seul endroit à visiter. Merci. Souvenez-vous, la puissance peut suffire un instant. La détermination peut durer une journée. Waouh, c'est moi qui brille maintenant. Le courage doit être renouvelé à chaque nouvelle aube. Suivez la voie. L'ancien de la Légion. Oui, ça y est, je fais partie de la Légion de l'Aube. Nice. Putain, c'est bon ça. Eh, arrêtez vos conneries avec l'histoire. Moi, j'entends presque du Skyrim quand je vois ça, moi. Du Elder Scroll. Putain, mais qui sont les abrutis qui ont dit qu'il n'y avait pas d'histoire, quoi? Arrêtez vos conneries. Allez, temps de chargement à la con. C'est vrai que t'es chiant, toi, mais en dehors de ça... Pas ce qui pourrait être chiant. C'est juste jeuxvideo.com, c'est Pokémon épée et bouclier qui sont sortis, je... Toujours un petit peu... dans l'attente. Toujours pas de lunettes de soleil dans le coin, hein, sûr, non. Elle est pas popée comme de par magie. Par plaisir. En préparation, ça semble complètement buggé. Tu es de retour? C'était rapide. En fait, ça m'a pris 2 ans pour finir cette épreuve. T'as réussi? Jusqu'ici, oui. Est-ce que c'est bien ce que je crois? Je vais aller voir ça de plus près. Fais attention. Le javelin du général Tarsis. Quelque chose va pas ici. C'est pas grave. Faye, Alouk, je vous entends à peine. Faye, tu vois ce que je vois? Faye, tu m'entends? Non! Faye, t'entends pas. Ah. Owen! C'est con ça, hein? Le javelin répond plus?
Quel dommage. Mais enfin, qu'est-ce que tu fous ? Oh, Rage, non. Ça me paraît évident. Salut, ma belle. J'en ai assez d'attendre, je ne serai plus jamais laissé à l'écart. Si je m'allie à l'Observateur, il laissera le fort tranquille. Comment tu peux aider le Dominion ? Tu sais ce qu'ils ont fait ! Je sais très bien ce qu'ils ont fait. On ne peut rien faire contre eux. Oh, ouais, non, attends ! Et merde. Ok, là c'est pas super. Vas-y, fais-la moi ta morale. Ça pourrait aller mieux, ouais. L'amplificateur déconne et je sais pas trop ce que l'autre espèce de fumier a fait au moteur. Mais il est cloué sur place tant qu'on l'aura pas réparé. Donc j'imagine fait, que l'Observateur... Hey, silence, la connexion est pas encore réparée. Tu veux foutre le feu ou quoi? Alors, on est coincé et Owen se tire. Et moi qui croyais avoir touché le fond. Calme-toi un peu, d'accord? T'es pas du tout en état de lui courir après, de toute façon. Allez, file-moi un coup de main. Il faut qu'on remette cet arpenteur en état. On doit les arrêter. Mince. On a loupé un truc ultra important! Tu vois, ça a toujours été ton problème. A tendance à te focaliser sur l'avenir plutôt que sur le présent. Mon présent est un vrai foutoir. J'ai fait venir Owen et voilà le résultat. Adhésif. Tu crois que c'est entièrement de ta faute? Le héros solitaire a encore tout gâché. Ouais. Passe-moi le... Ah, bordel. Ouais. C'est mon arpenteur. Donc personne n'y monte sans mon accord. En plus, Faye peut lire dans les gens comme dans un livre ouvert, et là, elle a rien vu venir. On a loupé un truc énorme! Vas-y, c'est la connexion. Putain! Tu sais, t'es un freelancer de première. Peut-être bien le meilleur que je connaisse. Mais t'es pas plus intelligent que Faye et moi réunis, et t'as pas non plus des yeux dans le dos. Alors arrête de te torturer et de penser que t'es la cause de tous les problèmes. Ah, putain! Je peux pas penser autrement alors que l'Observateur est sur le point de s'emparer du cénotaphe. Je suis désolée, j'ai été négligente. C'est moi qui aurais dû repérer le sabotage pendant mon examen de routine. Assez, vous me tuez, vous deux. Allez, on a du boulot. Quel boulot? C'est foutu. Non, non, pas encore. Le javelin qui a été volé ne fonctionnera pas. J'ai bien inspecté le javelin du général, et je n'en avais jamais vu un comme celui-ci. Bon, j'ai qu'une vague idée de l'utilité potentielle de certains de ces systèmes, mais... Hey, vas-y, dis-nous ce que t'as à dire. D'après moi, la plupart des sceaux sont directement activés par le signé du général. Que l'on a. Le Dominion ne peut pas utiliser l'armure. Ça les ralentit, mais c'est pas ce qui va nous aider. Les ralentir, ça pourrait suffire. J'ai encore les infos qu'on a obtenues à la forteresse de l'Aube, et j'ai aussi pu étudier... Je vais essayer de vous trouver, hein. Attends, donc... tu proposes qu'on fabrique notre propre javelin de l'Aube ? Pas le javelin en entier, juste les soins importants, mais... Oui. File-moi les plans, je te fabrique ça. Tu vas devenir notre Ardenne Vassa ? Pourquoi pas ? J'ai déjà monté des javelins entiers avec des bouts de ferraille avant, alors une paire de sauts. Même s'il faut sauter par-dessus d'énormes chimères en feu, on peut y arriver. Le saut de chimère, c'est le chapitre 1 du manuel des freelancers. Allez, prépare ton javelin, moi j'ai un moteur à réparer. On dirait qu'on est toujours dans la course. Oui, oui, oui.
Bon, je vais essayer de vous trouver la cinématique et de vous la caler. En tout cas, moi je vais vous laisser là pour cet épisode. Désolé pour ce bug, je m'en occupe. Je vais essayer de trouver la cinématique. S'il faut que je la trouve en anglais, bas les couilles. Et puis tant pis, on verra bien le moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. À plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo!